Welcome, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Stephanie Ince, and I'm happy to be here to share our final webinar in the My Dystonia and I webinar series that DMRF is hosting in partnership with MERS Therapeutics. The My Dystonia and I webinar series is focused on empowering patients and optimizing patient treatment outcomes. Over to you, Dr. Chouinard. Bonjour à nouveau. C'est moi qui ai le traducteur officiel aujourd'hui. C'est juste pour vous inviter là, à cette série de webinaires qui s'appelait Ma dystonie et moi et qui était sponsorisée par la compagnie MERS et conjointement avec le DMRF. Et on est très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Next slide, please, Archana. I'm joined today by my colleague Archana Castellino, who is our newly appointed national director, as well as our Dystonie Partage support group leader from Montreal, who many of you may know. Chantal Boivin. Chantal has been a wonderful supporter to the Dystonia community in Quebec. Welcome to Chantal and Archana. And I will now turn things over to Chantal. Hello, thank you. Merci Stéphanie, merci Archana. Merci aussi à Dr. Chouinard de m'avoir invité aujourd'hui pour participer à ce webinaire. Donc, moi, ça fait 16 ans que j'ai une dystonie cervicale et ça fait 6 ans que j'ai parti ce groupe de dystonie partage. Donc, dystonie partage font des rencontres 5 fois par année, 3 avec des conférenciers et 2 avec des rencontres en présentiel quand c'est possible. Nous en avons une cet automne, mais je ne sais pas quand va être la prochaine. Nous avons aussi un symposium à notre actif et nous en avions un autre qui devait avoir lieu au printemps, mais ce n'est que partie remise, soyez-en sûrs. Le groupe de soutien Dystonie Partage a pour mission d'échanger dans un climat d'amitié et de briser surtout la solitude des personnes qui ont une dystonie cervicale et aussi de donner une place aux proches aidants qui soutiennent ces personnes qui ont des dystonies cervicales. Et c'est aussi un endroit pour découvrir de nouvelles thérapies aussi et du soutien moral surtout. Alors, merci et bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Thanks, Chantal. Merci. So our topic today is what's new in dystonia treatments. Today we are joined by Dr. Sylvain Chouinard, who many of you know. Dr. Chouinard has been a wonderful champion for the dystonia community, and he's also doing double time today and being our translator. So super special thanks to Dr. Chouinard for joining us today. My pleasure, Stephanie. And this photo looked like I didn't have gray hair at that time. What's happening? Anyway, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais partager mes diapos d'ailleurs. Can I share my slide? Yes. Oh, sorry. Let me just do a quick housekeeping. Okay. So a reminder that this is a presentation that aims to provide patients with tips and tools for living well, but we urge everybody to speak with your own medical professional before you begin any form of treatment. Also a reminder that there is a chat function, so if people want to, they can say hello to their colleagues on the line. And we've collected your thoughts in advance of this session and all of your suggestions and questions have been passed along to Dr. Chouinard to help him with the development of his presentation. Next slide, please, Archana. We will ensure we have lots of time for questions, and Chantal will actually be developing and running the Q&A for us in order to ensure that hopefully all of your questions are answered. I will now turn things over to Dr. Chouinard. Merci à nouveau. And I will need to be able to share my slide. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du traitement de la dystonie et surtout de regarder ce qu'il y a de nouveau. Donc, le but de ma présentation, c'est vraiment de faire un tour d'horizon sur les nouveautés. C'est sûr qu'on va parler aussi des traitements qui sont en cours et la présentation devrait durer entre 20 et 25 minutes. Et après ça, là, on a amplement de temps pour que je puisse répondre à vos questions.
Quand on regarde le traitement de la dystonie, je l'ai fait en plusieurs points. D'une part, je veux vous parler de si c'est important de comprendre sa dystonie. On va aborder les traitements pharmacologiques. Vous le savez tous, un des traitements de la dystonie focale, c'est avec la toxine botulinique. Je vais vous parler du traitement actuel et ce qui s'en vient. Je vais vous parler brièvement des traitements de neuromodulation. Ça, c'est la chirurgie fonctionnelle. Et on va terminer avec des traitements avec d'autres modalités. Avant tout, je pense que, puis un peu l'idée du symposium et de cette série là, de webinaires là, qui a été mise en place, c'est de mieux comprendre pour mieux affronter sa maladie. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ce qui se passe avec la dystonie, notamment parce que pour plusieurs, j'ai appelé ça une odyssée diagnostique. Et dans mon bureau, vous me racontez souvent ça. Combien d'années ça a pris, combien de médecins vous êtes allés voir avant qu'on puisse vous donner un diagnostic de dystonie cervicale. Et il faut comprendre que ça peut avoir aussi un impact. Donc, ça peut avoir un impact de dire, ben, tu sais, c'est quoi ce mystérieux problème-là qui m'habite? Donc, il faut considérer ça là, lorsqu'on aborde le traitement. Ce qu'il faut savoir aussi, puis les études le démontrent de plus en plus, il y a beaucoup d'emphase là-dessus, c'est ce qu'on appelle les symptômes non moteurs ou tous les autres symptômes qui accompagnent la dystonie. On pense à des symptômes anxio-dépressifs. On pense au fait que les gens qui ont la dystonie souvent peuvent souffrir d'un retrait social. Donc, c'est important là, de savoir que ça existe. On ne sait toujours pas si c'est en réaction à la dystonie ou si les gens qui ont de la dystonie sont plus sujets à avoir ce type de symptômes-là. Mais ça va être très, très important parce que je vais vous le redire plus tard. Il faut considérer ces symptômes-là dans une approche qui est beaucoup plus globale. Ce qu'il faut savoir aussi quand on souffre de dystonie, puis c'est probablement vrai aussi pour d'autres conditions, mais particulièrement vrai pour la dystonie, c'est souvent des essais et des erreurs. Donc, souvent, on a des bons coups quand on traite la dystonie, mais des fois, ça peut prendre, puis ça, on a juste à penser aux injections de toxines botulinées. Des fois, ça peut prendre un essai, deux essais, même trois essais. Et finalement, et c'était le but notamment là, de faire cette série de webinaires, parce qu'on pense qu'en sachant davantage c'est quoi la dystonie, ben c'est le concept d'empowerment. Puis j'ai cherché, là, ça m'a pris pendant 2 heures, j'ai essayé de trouver un terme. Il n'y a pas beaucoup de termes français là, qui traduit lorsque c'est en fait ça veut dire c'est de se prendre en charge finalement. Puis vous le savez, au printemps, on vous a présenté un webinaire excellent, d'ailleurs je fais de la publicité, qui est toujours sur le web par Rachel Thibault sur la résilience. Et c'est vrai aussi dans d'autres maladies là, mais c'est important de la cultiver, cette résilience là, parce qu'on fait face avec la dystonie à une maladie qui est chronique. Mieux comprendre, c'est mieux s'informer. Mieux s'informer, bien là, on a un bel exemple, hein, grâce à MERS aujourd'hui, la Fondation de la recherche, la DMRF, a fait une série de webinaires. Je pense que je veux faire une petite fleur à mon amie Chantal, là, qui a travaillé très, très fort, là, puis elle vous a parlé des groupes de dystonie partage. Là, on a un projet, là, je vous annonce en primeur qu'on a un projet en cours pour développer là, une série de webinaires, probablement à l'automne. Et la plupart d'entre vous ont reçu le sondage. On va vous présenter le résultat du sondage bientôt, mais qui témoigne là, que vous avez un grand besoin d'en apprendre davantage, que vous avez besoin des groupes de support, mais que vous avez beaucoup d'intérêt aussi pour apprendre sur la maladie, apprendre comment gérer la maladie, sur les nouveautés. Donc, on est en train de penser à tout ça, puis on devrait arriver là avec un programme sous peu.
Puis, ben, on a collaboré là, au printemps. Là, je n'ai pas dit le mot pandémie encore. Là, puis, je n'ai pas parlé de COVID, mais on a parlé au printemps là, on a fait des webinaires avec nos collègues français là, qui ont été très, très là, populaires. Et donc, c'est juste pour vous dire qu'il y avait un esprit de collaboration. Donc, encore une fois, je voulais, avant de parler de traitement, je voulais vous dire que c'est important de bien comprendre la maladie. Maintenant, je vous ai parlé de traitement pharmacologique. Les traitements pharmacologiques, c'est les médicaments qu'on va vous prescrire. Alors là, je vous aurais fait cette présentation il y a 10 ans, je vous aurais dit la même chose. C'est triste, c'est malheureux, on n'a pas de bons médicaments pour traiter la dystonie. On n'a pas de bons médicaments qu'on prend par la bouche pour traiter la dystonie. Et les seuls qui ont été véritablement étudiés, c'est les anticholinergiques. Les anticholinergiques, c'est des médicaments qui sont vieux comme le monde. C'est des médicaments comme l'Artan, le Parsitan, le Quémadrin, que peu d'entre vous prennent. Et c'est les seuls médicaments qui ont été démontrés efficaces pour traiter la dystonie. Par ailleurs, ce qui est intéressant, puis quand il y a eu des revues là, récentes, c'est peu de gens, là, c'est 7% prennent de ce type de médicaments-là, mais un tiers des patients prennent ce qu'on appelle des benzodiazépines. Ça, c'est les médicaments comme l'Ativan, le Valium, qui sont principalement utilisés pour l'anxiété, mais qui sont utilisés beaucoup, beaucoup là, pour la dystonie. Le problème, vous le savez peut-être, là, le problème avec ces médicaments-là, c'est que ça peut être efficace. Souvent, ça va relâcher les muscles, mais il y a un danger d'accoutumance, puis souvent, il faut augmenter la dose. Là, vous ne la voyez pas très bien, mais c'est une photo là, qui a été prise là, en Californie où on parlait de la marijuana, puis il n'y a pas une présentation là, où on ne nous pose pas la question. Qu'est-ce qu'il y en a là, pour les dérivés du cannabis? Qu'est-ce qu'il y en a pour le CBD? C'est une question qui est difficile à répondre parce qu'il n'y a pas d'études. Vous savez, en médecine, comme on aime bien avoir des études, ce qu'on appelle des données probantes, pour pouvoir suggérer un traitement. À date, toutes les études qui ont été faites n'ont pas démontré qu'il y avait un effet spécifique pour traiter la dystonie. Ça n'empêche pas que moi, mes collègues, on a souvent des gens qui viennent nous voir et qui nous rapportent là, qu'ils ont pris des dérivés de CBD et qui ont noté une amélioration. Donc, comme on dit, le jury là, n'a pas statué encore pour l'utilité des dérivés du cannabis, mais pour l'instant, là, il n'y a pas d'évidence que ça pourrait être efficace. Je vais redire ça différemment. Il n'y a pas d'évidence scientifique que ça pourrait être efficace. Probablement que vous ne pourrez pas voir cette diapo-là, puis c'est un peu intentionnel. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même de la recherche qui se fait. Moi, je vous dirais que ça en fait pas assez, là. Mais il y a quand même, si je calcule vite, il y a à peu près une dizaine de médicaments qui ont été testés ou qui sont en train d'être testés là, pour voir si on peut améliorer la dystonie. Donc, sur le front des traitements pharmacologiques, on va rester avec un peu de déception. Par ailleurs, là, vous allez voir, je vais juste faire une parenthèse, le traitement pharmacologique est surtout pour ce qu'on appelle les dystonies généralisées, donc qui s'étendent à plusieurs segments du corps. Et on fait souvent la distinction quand on parle de traitement entre une dystonie qui est focale. Vous savez c'est quoi la dystonie focale? La majorité d'entre vous ont une dystonie focale. C'est la plus courante, la forme de dystonie la plus courante. Ça peut toucher la tête, ça peut toucher les yeux, la voix, la mâchoire, ça peut être les mains aussi. Quand on écrit, on a une crampe de l'écrivain. Et le traitement, pourquoi je vous ai parlé de dystonie focale? C'est pour vous dire que le traitement le plus efficace pour la dystonie focale, ça reste la toxine botulinique. Présentement, au Canada, il y a 3 toxines botuliniques. Il y a le Dispar, il y a le Xomain, et il y a le Botox.
Je présente toujours cette diapo-là parce que pour moi, ça a été dans les derniers 15 ans, ça fait déjà pas loin de 25 ans que je pratique. Puis je raconte toujours la même histoire, mais c'est important. C'est que quand j'ai commencé, il n'y a personne qui savait c'était quoi le Botox. Il n'y a personne qui savait c'était quoi les autres toxines. Parce que les toxines, ça va faire 30 ans là, que les toxines sont disponibles. Et maintenant, il n'y a pas une fois que je ne parle pas quand quelqu'un vient me voir pour me parler ou puis là, on discute des différentes alternatives thérapeutiques. Là, je parle des toxines. Tout le monde a son idée sur la toxine. Tout le monde a une idée malheureusement préconçue la plupart du temps. Puis, c'est un peu un effet là, pervers de ce qui s'est passé là, au niveau de l'esthétique. Ça a été un peu, là, il y a eu une mauvaise publicité pour, puis ça, c'est un très bel exemple, là. Donc, souvent, les gens ont, et je dois travailler très, très fort, pour essayer de revaloriser les bienfaits de la toxine. Ce qu'il faut savoir, puis vous le savez, là, je sais que je prêche à des convertis, mais c'est juste pour vous dire que dans le traitement, souvent, il faut faire de l'éducation. La toxine, c'est probablement ce qu'il y a de plus sécuritaire et on a de l'expérience. Ce n'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il en était. Là. Ça fait 30 ans là, qu'on utilise la toxine. Puis j'ai cette citation, hein, c'est la dose qui fait le poison. Bien, les quantités qu'on utilise dans les petits viales que vous nous apportez dans nos bureaux, c'est des quantités infinitésimales. On ne peut même pas suspecter comment c'est pas beaucoup. Donc, je voulais juste refaire j'appelle ça mon speech, là, comme quoi la toxine, là, bien que, puis je suis certain que vous vivez la même chose. Quand vous arrivez, vous vous êtes diagnostiqué avec une dystonie cervicale, vous arrivez à la maison, vous dites à votre famille, je vais commencer un traitement avec le Xeomin, le Botox ou le Dysport, puis c'est une toxine botulinique. Tout le monde a son opinion. Hein? Puis c'est arrivé souvent que les familles disent, non, c'est dangereux, tu vas mourir, etc., etc., etc. Donc, on est un peu victime là, d'une mauvaise publicité. Ayant dit ceci, vous allez me poser la question, mais c'est quoi la différence? Il y a des différences entre les toxines, mais de façon générale, là, puis on pourra, si vous avez des questions, on pourra y revenir de façon plus approfondie. L'efficacité est assez similaire lors des études comparatives. Il n'y a pas le profil d'effets secondaires est à peu près le même. Là. Il n'y a pas des effets secondaires qui se retrouvent avec une toxine ou un autre. Et souvent, là, pour ce qui est du nombre d'unités, c'est-à-dire, nous, on injecte un certain nombre d'unités, c'est à peu près pour le Botox et le Xeomin, c'est la même chose et c'est différent pour le Dysport. Qu'est-ce qu'on sait sur la toxine? Puis, qu'est-ce qui s'en vient dans le champ thérapeutique de la toxine? Bien, ce qu'on sait, je vous l'ai dit déjà deux fois, c'est que c'est efficace. C'est efficace à long terme. Ce qu'on sait, c'est que ça aide au mouvement involontaire de la tête. Ça diminue grandement la douleur. C'est d'ailleurs une aparté, puis ça a été l'histoire de la toxine. C'est d'ailleurs de même qu'on a découvert que la toxine pouvait être un traitement pour la migraine. Vous le savez probablement, mais on donne maintenant de la toxine pour la migraine. C'est que lorsqu'on traitait les gens qui avaient de la dystonie cervicale, on s'est aperçu que ça améliorait les migraines. Puis maintenant, là, c'est reconnu comme un traitement. Et ça améliore la qualité de vie. Je vous l'ai dit, il n'y a pas grande surprise, on les connaît, les effets secondaires. Puis la majorité du temps, ceux-ci sont légers et transitoires. C'est rare qu'on va avoir des effets secondaires qui sont au long cours. Là, je vous ai dit ça. Malheureusement, après qu'on ait dit ça, il y a quand même un degré, puis il y a eu plusieurs études. Quand j'ai préparé ma présentation, j'ai ressorti un vieux sondage qu'on avait fait là, il y a quelques années sur le degré de satisfaction avec la toxine. Mais il y a quand même un certain pourcentage de gens chez qui la toxine ne répond pas complètement aux attentes par rapport à un traitement efficace. Et ça revient, puis là, j'ai sorti un article plus récent. Puis on aurait juste, quand vous avez rempli le sondage ou quand vous êtes
inscrits à cette présentation-là. On vous a demandé si vous étiez satisfait ou insatisfait et ça correspond aussi à ça. Donc, certains, c'est pas la majorité, c'est une minorité, mais il y a des gens là, chez qui le traitement là, n'entraîne pas une satisfaction complète là, au niveau du contrôle des symptômes. Quand on parle du traitement, avec la toxine botulinique, il y a plusieurs choses qu'il faut tenir en ligne de compte. Puis je vais vous parler des nouveautés à ce niveau-là. D'une part, il faut avoir le bon diagnostic, la bonne dose, le bon intervalle entre les injections. C'est clair qu'il faut injecter le bon muscle. Et maintenant, je dirais qu'il faut avoir la bonne combinaison de thérapie. Là, j'ai rajouté par un bon docteur aussi, là, mais c'est juste pour utiliser le mot bon. Pourquoi il faut avoir un traitement individualisé? Bien, malheureusement, les études, surtout là, les études ont démontré que quand on commence à être traité, il y a 30 % des gens qui arrêtent là, dans les premières années d'être traités. Nous, on a fait la même étude là, avec nos patients qui ont été traités dans la dernière année et on arrive à un chiffre qui est beaucoup moindre. On arrive là, un taux d'abandon là, à notre clinique à 13 % pour ce qui est de uniquement la dystonie cervicale. Donc, c'est un peu différent parce qu'il y a des conditions où le taux d'abandon là, est beaucoup plus élevé. Pourquoi les gens abandonnent ou pourquoi les gens sont insatisfaits avec le traitement avec la toxine? Bien, des fois, c'est parce qu'il y a une mauvaise sélection des muscles. Des fois, c'est parce que les doses qu'on a données sont insuffisantes. Des fois, c'est parce que les intervalles sont inadéquats. Donc, c'est vraiment important qu'on éduque les injecteurs par rapport aux attentes quand on traite avec la toxine. Et qu'on éduque aussi les patients. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je commence un traitement avec la toxine, je leur dis de me donner du temps. Que des fois, ça peut être merveilleux la première fois, des fois, ça peut être désastreux, puis il ne faut surtout pas abandonner. Je dis en général que ça me prend 3 à 4 séries d'injections là, avant d'être capable là, d'améliorer. C'est clair que ce n'est pas un traitement qui est one size fits all. Donc, il faut vraiment que ce soit un traitement là, qui soit individualisé là, selon la réponse. Le bon diagnostic. Je me suis permis de vous montrer cette vidéo-là. Je vais vous la montrer très brièvement. Now, this is a story of an amazingly beautiful young woman. She was training to be a pro football cheerleader, and she got a flu shot. She says that shot has destroyed her chances of happiness. We told you about her story last time. Now, Les Trent is with this woman. Donc, je me suis permis de vous montrer ça. C'est une vidéo qui a été énormément commentée lorsque c'est paru là, initialement. C'est une jeune demoiselle qui avait là, eu un diagnostic de dystonie qui a fait les nouvelles. Puis à l'époque, vous vous en souviendrez peut-être, là, tout le monde parlait de la possibilité que les vaccins là, puissent induire de la dystonie. Je vous en parle parce que dans la littérature, et il y a eu plusieurs, et c'est des choses qui sont de domaine public, plusieurs ont dit que probablement sa dystonie était d'origine fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une dystonie d'origine fonctionnelle? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion ou de gêne qui fait ça. C'est plus une réaction psychique, souvent à des stress, puis je ne veux pas aller plus longuement là-dedans. Mais il y a d'autres causes qui peuvent donner des postures anormales. Puis c'est important d'avoir le bon diagnostic parce que le traitement n'est pas le même. Ce ne serait pas une bonne idée chez une personne qui a une dystonie fonctionnelle de traiter avec la toxine botulinique. Donc, encore une fois, quand on approche le traitement, bien, il faut avoir le bon diagnostic. Puis, il y a des fois qu'il y a des tremblements de la tête, des mouvements involontaires de la tête qui ne sont pas de la dystonie. Donc, c'est important. Puis, ça se peut qu'il y ait des gens, bien, on leur dise, bien, ce n'est pas de la dystonie ou donc, ils ne pourront pas bénéficier là, d'un traitement pour la dystonie. Excusez. Ce qui s'est amélioré aussi beaucoup dans les dernières années, c'est ce qu'on appelle l'anatomie fonctionnelle. Et on pourrait penser qu'on savait tout ça là, depuis des siècles et des siècles, mais pas vraiment. On s'est rendu compte que
Puis je ne veux pas rentrer en détail, mais selon les mouvements, il y a certains muscles qui sont impliqués, puis d'autres le sont moins. Pourquoi c'est important? Bien, c'est les connaissances nouvelles. Puis en connaissant quels muscles sont impliqués, bien, on peut être plus spécifique pour injecter le bon muscle et avoir ainsi de meilleurs résultats. Parce que vous me posez souvent la question, quand vous venez nous voir, vous dites, bien, comment vous faites pour décider où vous injecter, docteur? Bien, c'est justement ce concept d'anatomie fonctionnelle. C'est de savoir quels muscles qui font que la tête va tourner. Quand la tête tourne, bien, c'est mon muscle ici, ce qu'on appelle le sterno, qui travaille. Puis, c'est un autre muscle de l'autre côté qu'on appelle le splenius qui travaille. Donc, ça, il y a une grande amélioration au fil dans les dernières années. Il y a beaucoup d'efforts pour essayer de mieux comprendre les muscles qui sont impliqués. Le bon muscle, à ce moment-là, il y a ce qui s'est amélioré dans les dernières années, c'est qu'on est nettement meilleur, puis on est en train de développer des techniques pour nous guider davantage pour aller chercher des muscles qu'on ne peut pas voir. Je vous mets en contexte. Quand on injecte, on palpe et on se fie aux repères anatomiques. Donc, je sais que mon muscle, mon sterno, il est à peu près ici. Vous le voyez peut-être quand je me tourne ma tête. Et c'est ça qui va guider le muscle que je vais injecter. Par contre, il y a beaucoup de muscles au niveau du cou. Puis, il y en a qui étaient beaucoup plus profonds. Puis, jusqu'à, je vous dirais, 5 à 10 ans, ça a été une révélation pour moi. Il y a des muscles qu'on ne savait pas si on pouvait les injecter parce qu'ils étaient trop profonds. Et c'est là qu'on a développé, et tout ça, je vous parle de tout ça pour une longue introduction pour vous parler de l'échographie. Et c'est une nouvelle technique. Donc, il y a eu un avancement. On est quelques-uns au Québec là, à commencer à utiliser l'échographie pour nous permettre de localiser des muscles. Et on sait, grâce au concept d'anatomie fonctionnelle que je vous ai expliqué précédemment, on sait que c'est certains muscles, là je vous parle de l'oblique inférieur, c'est un muscle qui fait tourner la tête. Donc on sait que ce muscle-là là, va faire tourner la tête. Et avec l'échographie, je vais vous montrer une vidéo. Donc on va pouvoir injecter, là vous voyez sur l'écran, ça c'est les muscles. Donc, celui qui est beaucoup plus profond, puis je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout, là, mais c'est le muscle qu'on va maintenant pouvoir injecter. Donc, on est beaucoup plus précis. Et si j'injectais avec une aiguille, avec une latoxine, ce que vous verriez, c'est le liquide s'accumuler dans le muscle. Donc, ça, c'est une percée. C'est une percée. On est encore au balbutiement. Ce n'est pas une percée qui est disponible partout. On travaille très fort à éduquer nos collègues. C'est une percée qui a démontré son efficacité. Pendant la pandémie, malheureusement, pour des raisons, on ne connaissait pas beaucoup le virus, puis on a arrêté de faire des injections là, sous écho. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils allaient nettement moins bien depuis qu'on avait arrêté les injections sous écho. Cela étant, ce n'est pas la panacée. Puis, ça ne fonctionne pas toujours à 100%. Puis, l'autre chose, ce n'est pas toujours aussi clair que je vous l'ai montré sur la vidéo. Là. C'est vraiment, ça, c'est arrangé, comme on dit, avec le gars des buts. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile. La bonne dose. Bien, là encore, il y a des inconnus. Vous allez dire, je vous ai dit à peu près 4 fois que ça fait 30 ans qu'on l'utilise. Bien, il n'y a pas eu beaucoup d'études. Puis c'est surtout sur l'expérience qui fait qu'on décide quelle dose on utilise. Puis on fait à peu près pas mal tous la même chose, mais il y a des gens qui commencent avec le double de la dose de l'autre. Hein, j'ai des collègues, moi, qui sont des injecteurs depuis 30 ans comme moi, qui quand ils voient un patient, bien, ils vont donner le double de la dose. Donc, c'est juste pour vous dire, puis pour vous témoigner, il y a des choses qui ne sont pas encore entièrement connues. Là, je vous ai montré un article dans une autre condition où on injecte la toxine botulinique, c'est dans la spasticité. La spasticité, c'est quand il y a une raideur des muscles suite à un AVC. Bien, dans les dernières années, on s'est rendu compte que probablement qu'on ne donnait pas assez de toxines, puis que c'était pas sécuritaire de donner là, des plus hautes doses de toxines.
Encore une fois, c'est juste pour vous dresser le tableau qu'il y a plusieurs éléments quand on traite avec la toxine et qu'il faut tenir en compte. L'intervalle. L'intervalle, ça, c'est un sujet, là, ça fait partie des choses qui ont été modifiées dans ma pratique dans les dernières années. C'est intéressant de voir que les gens donnaient des injections aux 12 semaines, mais il n'y avait pas vraiment, c'est juste les gens là, qui ont commencé à utiliser la toxine ont évalué que ça devrait durer à peu près 12 semaines. Donc, c'est pour cette raison-là que quand vous regardez toutes les études, quand vous regardez, quand les gens sont réinjectés, le chiffre magique, c'est 12 semaines. Ça, c'était une des raisons. Puis, initialement, les toxines étaient un peu moins pures. Donc, étant moins pures, les gens pouvaient développer ce qu'on appelle des anticorps. Des anticorps voulaient dire qu'on développait une résistance, donc que la toxine ne fonctionnait plus. Ça, on sait maintenant que, puis on n'en parle plus, là, quand j'ai présenté comme jeune patron il y a plusieurs années, je me souviens avoir passé là, une heure à présenter dans un groupe de support comme vous au concept de résistance. Maintenant, on n'en parle plus. Ce que la littérature a apporté, ce qu'on sait et ce qu'on a découvert dans les dernières années, c'est que l'intervalle était très important. Nous, on a revu aussi, là, j'ai revu mes patients là, dans la dernière année, puis j'ai plus de 200 patients là, qui ont de la dystonie cervicale, qui sont traités régulièrement, chez qui il n'y avait pas eu de changement de dose. Et 30% de ceux-là reviennent à un intervalle qui est de moins de 10 semaines. Donc, c'est comme je vous ai expliqué tantôt, le traitement avec la toxine doit être individualisé. Il y a des gens chez qui la toxine dure 12 semaines. Il y a des gens chez qui la toxine dure 14 semaines. Il y en a, par contre, chez qui la toxine dure seulement 8 semaines. Donc, il faut être capable de s'adapter parce que comprenez que, puis quand ça dure moins longtemps, c'est surtout au niveau de la douleur. Comprenez que quand tu souffres, si tu peux gagner 2 ou 3 semaines ou 4 semaines de ne pas souffrir de la douleur, bien, ça peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Donc, encore une fois, c'est important de pouvoir s'adapter, pouvoir avoir un intervalle qui est propre à chaque personne. Et ça, c'est ma nouvelle, un de mes nouveaux dada. Bien, il peut y avoir une combinaison de traitements. Puis je me fais un peu violence parce que des fois, on oublie ça. Hein? Des fois, on est pris là. Donc, ça se peut qu'on puisse potentialiser l'effet là, d'un traitement là, en ajoutant là, un relaxant musculaire. Donc, c'est possible. C'est possible aussi, puis ça, j'ai un collègue là, qui est en train d'étudier ça, là, puis qui fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est possible qu'on améliorerait la qualité de vie, votre qualité de vie, si on était un petit peu plus à l'écoute. Puis encore une fois, je me fais violence ici, des symptômes dépressifs, des symptômes d'anxiété qui pourraient être mieux pris en charge. Et de plus en plus d'études démontrent que, moi le premier et les autres, on n'est peut-être pas assez à l'écoute. Ça se peut aussi qu'avec la toxine, là, on puisse avoir, il y a des gens qui ont des maux de tête, je vous ai dit que la toxine pouvait être utilisée pour les maux de tête, ça se peut qu'on puisse combiner. Ça, c'est une des choses, là, pas loin de 15% de mes patients là, ont un traitement combiné là, pour les maux de tête et la dystonie. Puis je pense que ceux-là pourraient vous témoigner aujourd'hui que ça a changé beaucoup la qualité de vie. Mon dernier petit dada, là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du bruxisme. Hein, c'est communément appelé le grincement des dents. Bien, des fois, quand on pose la question, on se rend compte qu'ils ont du bruxisme. Et les injections des muscles ici, ce qu'on appelle les massétaires, bien, ça peut être utile. Donc, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, bien là, ça allait super bien, là, mais depuis que vous m'injectez ici, là, c'est le nirvana. Et il y a toute la composante des traitements non pharmacologiques. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut peut-être avoir changé le paradigme tranquillement, puis je pense qu'il y a une grande ouverture, pour avoir un traitement, là, avec le mot à la mode, un traitement qui est un petit peu plus holistique. Est-ce qu'il y a des nouvelles toxines? Oui,
il y a une nouvelle toxine qui est présentement, l'étude est terminée. Et il y a de la recherche qui se fait dans la toxine. Cette nouvelle toxine-là, l'avantage, je vous dis l'avantage parce qu'on n'a pas encore les résultats, mais l'avantage présumé, c'est qu'elle serait, la durée serait plus longue. Donc, il y a eu des études là, pour voir si effectivement, là, d'injecter avec cette nouvelle toxine qui n'est pas encore disponible, l'efficacité serait plus longue. Donc, moins de visites chez le docteur, puis on peut voir tous les avantages de venir moins souvent là, faire du slalom alentour des cônes oranges à Montréal. Qu'est-ce qu'il y en a pour la chirurgie? Je pensais parler moins longtemps, mais je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. La chirurgie, bien, il y a deux types, là, puis je vous ai mis des termes un petit peu plus sophistiqués. On parle de neuromodulation non-invasive et invasive. Ça veut dire la neuromodulation non-invasive, c'est qu'il y a des techniques. Hein. On parle de stimulation magnétique transcrânienne. Mon but aujourd'hui, c'est de vous faire part de ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de données probantes. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence que c'est utile. Ce qui est très utile, par ailleurs, c'est la neuromodulation invasive. C'est les chirurgies qu'on fait avec la stimulation profonde. Donc, c'est le fameux pacemaker qui est relié à un fil qui va au niveau du cerveau et qui peut être très, très utile pour traiter les dystonies généralisées. Je pourrais répondre à des questions, mais pour la dystonie focale, bien, on a beaucoup moins d'études. Hein? Les données sont beaucoup plus limitées. On ne sait pas beaucoup si... En fait, sont plus limitées. Il y a des gens, là, puis je vais vous montrer une vidéo chez qui c'est efficace, mais c'est pas, on a moins de recul, disons, que pour les dystonies qui sont généralisées. Là. C'est une patiente, là, qui c'est plus après et avant. Donc, vous voyez là qu'il y a eu une grande efficacité chez elle. C'est sûr qu'il y a besoin d'avoir de la recherche là, dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle aussi, dans notre terme, les thérapies ablatives, c'est-à-dire de faire des lésions. On faisait jadis des pallidectomies. Ce qui est plus tendance, c'est de faire des lésions au niveau du cerveau pour traiter la dystonie, avec ce qu'on appelle un ultrason focalisé. Donc, on envoie là des ultrasons qui vont créer des lésions. Jadis, Montréal était reconnu mondialement pour la dénervation sélective. Hein, puis, il y a quelques patients là, qui ont été traités là, avec la dénervation sélective. On faisait ce qu'on appelle des ramisectomies au niveau de la colonne, on coupait des nerfs et fort probablement que c'était utile, mais la technique a été abandonnée. Il y a d'autres formes de dystonie, là, puis je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus parce que je n'ai pas parlé, je parle plus de la dystonie cervicale parce que c'est la plus commune, mais il y a d'autres formes de dystonie, hein, notamment le blépharospace, hein, ceux qui ont des contractions musculaires involontaires. Il y a des chirurgies au niveau de la suspension des muscles frontaux, les myomectomies, c'est-à-dire de couper les muscles. Malheureusement, il y a des gens qui rapportent une certaine efficacité, mais on n'a pas beaucoup de données là, au long terme. Les autres modalités, je vais terminer là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que, encore une fois, si on veut avoir une approche qui est beaucoup plus holistique, si on veut faire de l'empowerment, puis de dire on se prend en charge, bien, il y a la réadaptation. La tristesse, ma tristesse à moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Hein? Vous avez assisté, là, on a fait venir à Montréal, grâce à Dystonie Partage, le docteur Bleton, qui est un spécialiste de la rééducation. Je vous dirais, sans vouloir exagérer, qui est probablement le spécialiste mondial de la rééducation. Mais tout le monde s'entend que c'est pas probablement utile, mais il n'y a pas beaucoup d'études. Puis là, bien, vous allez me demander, est-ce que c'est de la kinésithérapie qui est meilleure? Est-ce que c'est de la... On vient de terminer une étude là, très préliminaire, 10 patients, qui démontrait qu'il y avait probablement une efficacité là, avec l'ostéopathie. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont faites. Il y a des,
des gens qui font de la chiro, il y a toutes sortes de modalités qui sont en cours et qui ont été étudiées. Malheureusement, il n'y a pas de bonne étude. C'est un besoin criant. On s'y attarde, on essaie de trouver des solutions. D'exercice. On y travaille encore une fois, mais je ne peux pas vous dire là, qu'on est avancé à mon goût à ce niveau-là. Il y a une étude, là, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup d'études, il y en a une qui a démontré là, clairement qu'il y avait une efficacité avec la physiothérapie combinée avec les injections de toxines botuliniques. C'est quoi le futur? Bien, le futur, c'est j'ai été pas mal niaiseux en faisant ma présentation. Le futur, c'est qu'on trouve une cure. Et que maintenant, là, je puisse prendre ma retraite avec tous mes cheveux gris et que je sois heureux parce que tout le monde là, ne souffre plus de dystonie. Est-ce que c'est possible? Bien, il n'y a rien qui est impossible, d'autant plus que, comme je dis toujours, on n'a jamais démontré que des lésions au niveau du cerveau. On pense que c'est plus des phénomènes là, biochimiques. Donc, on va croiser nos doigts pour qu'il y ait une cure, puis que je me mette à faire du voilier ou d'autres choses. C'est sûr que les toxines, je vous en ai parlé, ils ont leurs limites. C'est sûr que je serais très gagnant là, si j'avais une toxine, l'équivalent d'une toxine sans piqûre. Là. Je pense pas que j'ai pas trouvé encore personne là, qui venait me voir là, puis qui disait waouh, c'est le fun, là, je vais être piqué aujourd'hui. Là. Le futur, ça va être de trouver des meilleurs moyens dans 10 ans, dans 15 ans, avec l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on va avoir moins besoin de neurologues, mais on va être nettement mieux avec l'écho pour apprécier les muscles, apprécier la contraction des muscles. Donc, il va y avoir de l'avancement pour qu'on soit mieux pour localiser là, quel muscle est le plus efficace. C'est sûr que, je vous l'ai dit, hein, si les toxines duraient plus longtemps, bien, ça serait positif. Mais il faut comprendre que si tu as des effets secondaires, ils peuvent durer plus longtemps aussi. Là. La chirurgie, bien, il y a des avancements qui, de plus en plus, là, je n'ai pas mis beaucoup d'emphase sur la chirurgie, puis probablement que j'aurais dû dire que ça a quand même sa place dans l'arsenal thérapeutique. Mais il y a beaucoup d'études pour mieux localiser, encore une fois, d'avoir de meilleures techniques, d'avoir un pacemaker qui dure plus longtemps. Puis je pense que je vous ai bien fait part là, qu'il y a un énorme besoin là, d'études. Sur ça, je vais m'arrêter. Je vais laisser Chantal peut-être voir s'il y a des questions. On a encore... Chantal, j'ai parlé trop longtemps. C'est correct, on est un bon 15-20 minutes, là, on va essayer de... Alors, la première question, c'était, est-ce qu'on connaît la plateforme de Dr. Farias? On peut peut-être dire qu'on... Oui, en fait, ça revient un peu à ma question de tantôt. Hein, il y a beaucoup de gens là, qui ont développé là, des techniques. Et oui, on connaît la plateforme. Oui, et puis Chantal, ce qu'elle voulait sous-entendre, c'est qu'on regarde d'inviter des gens pour qu'ils viennent. Il y a Dr. Farias, mais il y a plein de personnes. Puis Chantal a été probablement une des meilleures à inviter au fil des ans des gens là, qui avaient développé d'autres approches, hein, qui étaient là, d'autres approches que de la toxine botulinique là, pour traiter... la toxine. Ouais. Pour traiter la toxine. Il y avait une question qui demandait est-ce qu'on a de la relève dans les médecins pour les gens qui souffrent de la toxine? Oui, hein, sûrement. C'est une bonne question, ça. Oui, parce qu'il y a des médecins qui commencent à être plus vieux, alors oui, il y a de la relève. Puis je vous dirais là, qu'on est choyé au Québec là, parce que c'est probablement un des endroits au Canada là, où il y a le plus d'injecteurs pour la toxine. C'est sûr que oui, là, je viens de voir passer le mot suisse. Là, ça, je pourrais pas vous dire si en Suisse, ils ont beaucoup d'injecteurs, là, mais il pourrait y en avoir plus. Et ça fait partie du curriculum et de plus en plus, là, il y a des gens qui injectent. Est-ce qu'il y a des bons résultats pour la dystonie laryngée
aussi bons résultats là, pour la distonie laryngée que cervicale avec le Botox, puisque la voix va devenir... Oui, en fait, avec les injections de toxines, oui, ça peut être efficace, mais la marge de sécurité est beaucoup plus petite. Hein? On parle de quelques unités là, de toxines, alors il y a une marge de sécurité là, qui est beaucoup plus toxique, plus petite, pardon. Donc, c'est difficile de... Il n'y a pas beaucoup d'études, mais ça fonctionne. Puis ça fait, tu sais, docteur Blitzer, qui est à New York, où j'ai appris à injecter, lui, ça fait aussi 30 ans, là, il a été un des premiers à injecter. Là. Mais c'est comme le reste. Hein? Tu sais, je vous l'ai dit, il faut garder son esprit ouvert, puis les choses changent avec le temps. Il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait injecter des muscles dans le dos avec le Botox. Avec la toxine, oui, on peut injecter des muscles dans le dos, mais il n'y a pas... En fait, c'est une bonne question. Il y a eu plusieurs études avec la toxine pour voir si on pouvait injecter des muscles qui sont endoloris ou qui sont spasmés, mais il n'y a pas d'étude qui a démontré une efficacité. Mais ça se fait, là, de façon... Okay. Oui, ça peut se faire. Est-ce qu'on peut utiliser l'échographie pour le syndrome de Meige? Ça aussi, c'est une bonne question. Pas vraiment, non, parce que les muscles, on n'est pas encore assez bon pour essayer de localiser les muscles, puis on n'a pas beaucoup de place là, au niveau du front, au niveau des paupières, puis ben, la sonde est pas mal grosse. Là. Donc, je ne pense pas que ce soit jamais assez efficace. Ça prendrait une petite sonde, là, puis je ne pense pas qu'on y arrive, là. OK. Des muscles trop petits, trop fins, hein, c'est oui, ça? Oui, c'est ça, oui. OK. Dans la dystonie cervicale, est-ce qu'il y a toujours un positionnement anormal de la tête ou ça peut être seulement une raideur ou un gonflement du trapèze? C'est une bonne question. Puis ça revient à mon point sur le diagnostic. Il faut qu'il y ait une contraction, qu'il y a une contraction là, musculaire anormale. Mais un spasme du trapèze, c'est pas juste la contraction musculaire anormale, mais on peut avoir un spasme du trapèze qui ne sera pas de la dystonie. Donc, ça prend plus que juste une contraction. OK. Parce que c'est pas juste un muscle. En fait, ce n'était pas clair ma réponse. Là, Chantal, je vais reformuler ma réponse, OK? Dans la dystonie, c'est pas juste un muscle qui se contracte anormalement. Je pense que ça va être plus précis si je vous le dis comme ça, là. Donc, c'est plusieurs muscles qui se contractent de façon anormale et aussi qui ne devraient pas se contracter. Donc, si on peut avoir juste une contraction du trapèze, mais si c'est juste le trapèze, ça ne sera pas de la dystonie. OK. OK, c'est bon. Je vais passer celle-là en anglais, là, Jorny. Bon, quelqu'un dit, tu dis que la douleur s'étend au cou, mais vous dites que c'est pas dégénératif, mais quand ça part des yeux, mettons, c'est quelqu'un qui a le syndrome, le blépharospasme, dans le fond, puis là, après un an ou deux, ça s'étend au nez, à la bouche, aux cordes vocales, à la mâchoire, comment ça se fait que c'est... Que ça s'étend comme ça. Pourquoi c'est une bonne question. C'est pas dégénératif. Quand on parle de dégénératif, ça fait référence au fait que les cellules meurent. OK? Ouais. Au niveau du cerveau. Le prototype de maladie dégénérative, c'est la maladie de Parkinson. Hein? Pour moi, je traite beaucoup de gens. Donc, les neurones meurent et c'est la dégénérescence des cellules du cerveau. Dans la dystonie, il n'y a pas d'évidence de cette dégénérescence des cellules du cerveau. Ce qu'on sait, par contre, c'est que ça peut migrer, ça peut s'étendre. Donc, et plus on est jeune, puis quand je parle de jeune, là, je parle de vraiment jeune, là, c'est moins de 30 ans, bien, plus on est jeune, plus on a de chances que la dystonie s'étende partout dans le corps. Moins on est jeune, plus la dystonie va rester focale, mais elle peut quand même bouger. C'est pas rare qu'on puisse avoir quelqu'un qui a un syndrome de blépharospasme, qui a l'atteinte des mâchoires, puis même aussi un petit peu haut au niveau du cou.
Donc, il y a un certain pourcentage chez qui il va y avoir une migration. OK. Est-ce que les injections de Botox peuvent affaiblir les muscles avec le temps? Les injections de toxines, Chantal a tendance à parler toujours d'une seule toxine, mais les injections de toxines n'affaiblissent pas les muscles. Il n'y a pas d'évidence. Puis je vais vous dire, mais en fait, il n'y a pas d'évidence. Je vais nuancer encore ma réponse. S'il y avait une faiblesse des muscles qui s'installaient au long cours, si on veut être logique, on arrêterait d'injecter avec le temps parce que le muscle, il arrêterait de se contracter. Donc, il y a beaucoup de gens que je traite depuis 30 ans. Puis si on admet qu'il y a un concept là, d'affaissement des muscles ou de dégénérescence des muscles, bien, j'aurais plus besoin de les injecter après 30 ans parce qu'ils ne se contracteraient plus de façon involontaire. Donc, c'est une façon de dire que non, au long cours, il n'y a pas d'atteinte musculaire. OK? Ça ne veut pas dire, puis ça, les études l'avaient démontré, que si on regarde... on ne voit pas des changements au niveau des muscles. Là. Mais il n'y a pas de danger qui fait qu'au long cours, là, le muscle ne se contracterait plus. Puis probablement, puis ça, on n'a pas beaucoup d'études parce que les gens continuent à se faire injecter. Il n'y a personne qui... C'est rare que les gens vont dire « ça fait 10 ans, puis j'ai plus besoin d'être injecté. » Donc, ça arrive qu'il y a des rémissions, mais on ne pense pas que c'est parce que le muscle est rendu faible à cause des injections. Mais on pense plutôt que c'est parce que il y a une rémission spontanée qui est un phénomène rare, mais qui existe. Mais je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Tu sais, quand... Nuancer. Hein? Tu voudrais... Oui, ben, c'est-à-dire que poser la question en sens que, tu sais, pourquoi, mettons, à force d'avoir des injections, parce que ça fait quand même 16 ans, là, j'en reçois. Donc, je sais qu'à un certain moment donné où la tête, c'est-tu parce qu'il y a trop d'injections puis que la tête tient plus? Ça, c'est-tu un autre problème? Parce qu'on peut penser que là, les muscles s'affaiblissent? Oui, bien ça, c'est une bonne... c'est un bon point, ça. Ça veut dire qu'il y en a trop. Puis c'est ça que je disais tantôt. Okay. Le traitement doit être individualisé. C'est un traitement qui est de 1 à 1. Hein? Puis chaque personne... Mais ça se peut que, puis ça m'arrive, là, ça m'est arrivé dans le passé, puis ça m'arrive, puis ça va m'arriver encore, là. Ça se peut que j'en mette trop une fois, OK? Mm-hmm. Ça se peut que, puis bien, des fois, on ne réalise pas, puis là, on se rend compte qu'on en a mis trop. Mais selon ce que je viens de dire précédemment, bien, si on arrêtait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bien, probablement que les muscles là, reviendraient, là, continueraient à se contracter. Là. Ça, c'est un bon point parce qu'on sent la pandémie a eu plein d'effets négatifs. Là. Ça, c'est indéniable. Là. Puis, aujourd'hui, je voulais vous donner une petite pause pandémie là, puis pas en parler. Là. Mais mon seul commentaire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un effet qui est beaucoup plus long qu'on suspectait. Il y a des gens qui viennent aux 12 semaines, là. Puis, mais il y a des gens qui ne sont pas venus. Hein? Puis, ça m'arrive, là, de ce temps-ci, là, ça m'arrive à toutes les semaines. Il y a des gens qui ne sont pas venus à cause de raisons X, Y, Z. Puis, ils habitaient dans une zone X, Y, Z où ils étaient plus âgés, puis ils avaient peur. Puis, on a tous eu peur. Puis, on dit, bien, je n'irai pas à mes traitements, là. Bien qu'il n'y avait pas de danger, mais... Là, on se rend compte que ça fait 5, 6 mois, 7 mois. Puis là, ils disent, bien, ça a bien été, mais là, depuis 3 semaines, 4 semaines, là, je sens que j'en ai vraiment, 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 vraiment besoin. Donc, il n'y a pas un effet ça n'arrête pas après 3 mois, 4 mois. C'est ça mon point. Puis c'est un petit peu ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a probablement des effets qui sont au plus long cours. Là, l'autre chose, c'est que là, puis je vous parlais de pandémie, juste pour faire un rapport, puis je vous dire qu'il n'y a pas de danger là, à venir en zone rouge, violette, écarlate ou tout ça. Là. Je pense qu'on a développé là, un système qui est sécuritaire. Les gens peuvent venir et vous l'avez vu, puis là, la majorité des gens, je dirais que la quasi-totalité continue à venir, même si on est en zone rouge, là. Le ministre a dit que si on avait besoin d'avenir pour des raisons essentielles, on vient.
Donc, il n'y a pas de raison de se priver de souffrir, là. Et il n'y a pas de risque, là. On sait c'est quoi le virus, là. Si on vient, puis on se fait injecter, puis on repart, ben, il n'y a pas beaucoup plus de risque d'aller au centre d'achat, là. À la limite, il y en a moins parce que tu sais, tout le monde est masqué et tout ça. C'est juste un petit commentaire que je voulais faire là, par rapport à la pandémie. Là. Il nous reste 5 minutes. Chantal, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est ça. Là, je suis en train d'essayer de voir un peu pour aller prendre des questions de quelqu'un. Quand on reçoit là, les injections, quand on veut se faire traiter soit en chiropratie ou en physiothérapie, doit-on attendre avant d'aller se faire traiter si on vient de recevoir nos injections? Est-ce que c'est ça, il n'y a pas... Ce qu'on dit toujours, c'est qu'il ne faut surtout pas aller se faire masser un muscle qui vient d'être injecté. C'est juste une question physique, là. C'est que si je viens de me faire injecter puis quelqu'un pèse, bien, ça fait qu'il y a une diffusion plus grande de la toxine. Donc, ça change un petit peu, ça peut changer l'efficacité qu'on pourrait avoir, là, habituellement avec la toxine, là. Fait qu'on peut attendre, dans le fond, moi souvent j'attends 2 semaines, là, tu sais, c'est à peu près ça. Oui, je pense que c'est très plus sage, là, oui. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir, du tonnerre au niveau de la langue, la personne... Il y avait quelqu'un, là, qui avait, tu peux-tu voir le chat, là, il y avait quelqu'un qui a écrit quelque chose en anglais, là, c'est quand même assez long, là, je voudrais... Est-ce que tu peux voir le chat? Descends, là, tu vas le voir, là, il y a une seule personne qui a écrit en anglais, mais je voudrais que tu regardes. Voici. On a répondu déjà. On va l'envoyer. Stéphanie a été gentille, elle m'a traduit ça en anglais. C'est quelqu'un qui me posait la question sur une hémidystonie. Une hémidystonie, pour qu'on se comprenne bien, c'est que quand on a des lésions au niveau du cerveau, des lésions au niveau du cerveau gauche, on peut avoir une dystonie qui touche l'hémicorps droit. Les lésions qui sont dues à les dystonies qui sont dues à des lésions au niveau du cerveau sont excessivement plus difficiles à traiter qu'une lésion là, qui est juste une dystonie focale. Donc, le traitement pharmacologique est beaucoup plus difficile pour ça, là. Puis, malheureusement, okay. Là, on m'a demandé des questions, oui. La dernière là, qu'on va faire, est-ce que la dystonie, est-ce qu'il peut y avoir des dystonies au niveau de la langue? Oui. La langue se tale. Oui, ça existe. Hein? C'est des gens qui, quand ils parlent, vont avoir des mouvements involontaires de la langue. C'est bien connu, mais c'est rarissime. Des dystonies. Avec un bégaiement, là, en plus? Non, bégaiement, c'est d'autres choses, mais ça peut être des mouvements involontaires de la langue. Puis c'est vraiment là, rarissime. Là. On voit pas ça souvent là, comme neurologue. Même on a presque tout fait. Les questions sur le chat, là, il ne manquait pas grand-chose, mais on pourra peut-être les envoyer, puis on pourra peut-être y répondre. Là. Oui. Je ne sais pas, Arcana, est-ce que... Do you have anything else? Est-ce qu'on arrête? Il est 58, est-ce que... Oui. Le temps de... We're going to let you wrap up. Yes, thank you so much, Dr. Srinath, and thank you very much for moderating the questions, Chantal. We appreciate it. Before we close, I just wanted to say, I just wanted to share a disclaimer, Dr. Srinath, if you don't mind helping translate it after I say. We just want to say a note to everyone that DMR of Canada is not recommending any specific course of treatment, and any new experimental treatment mentioned today may still be relatively new and exploratory at this time. And please speak with your movement disorder specialist about any course of treatment to ensure that it is right for you. En fait, ce qu'on dit, bien, c'est que ce qui a été dit aujourd'hui, là, c'est qu'il peut y avoir des traitements qui sont expérimentaux. Et c'est ma responsabilité de vous avoir expliqué ça et pas celle de la dystonie du DMRF et que, puis mais, en fait, je pense que c'est un bon moyen de finir, c'est que
il faut que vous engagiez un dialogue là, avec un dialogue, ça veut dire qu'il y a deux personnes là, avec votre médecin pour permettre là, un traitement là, qui est le plus optimal. Là. Puis c'est le même qu'on va réussir à vous améliorer. I just transform a little bit more the answer, but that's okay. The sense of what you wanted to say was there. Perfect, thank you. Je voudrais dire merci aussi à la Fondation, à la Fondation pour ce webinaire. Merci aussi. On termine aujourd'hui le mois de la sensibilisation de la dystonie, donc on a fait vraiment sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment une grande, je dirais, c'était mondial. On a travaillé à faire connaître la dystonie, je pense, et la Fondation a fait plein de choses, a allumé plein d'édifices en bleu et blanc pour sensibiliser les gens. C'était vraiment fameux. C'était magnifique ce que vous avez fait aussi. En tout cas, cette année, c'était vraiment un grand coup de barre, je pourrais dire, pour la dystonie. Donc, voilà, je voulais... Puis moi, j'ai une campagne de sensibilisation qui j'ai partie, donc elle n'est pas terminée, elle va se continuer pour ramasser des fonds pour la dystonie parce que je pense que c'est important d'aider la Fondation pour nous aider dans la recherche. That was a thanks, I'm guessing. Yes. we're supporting you in everything you do, and we're very pleased by the fact that you organized this those seminar. Oh, thank you, and we want to also thank MERS Therapeutics Canada for supporting this webinar. This was the last of our series, and I just missed one slide I'd like to share. Is our support materials for those in French as well is available on this website here, My Dystonia, on the webpage. And thank you very much, everybody. And thank you very much, Dr. Chouinard, for joining in. My pleasure. Bye-bye, tout le monde. Merci. Bye-bye. Bye.